Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, une vidéo en plein air parce que je vais vous parler d'une marque que je viens de découvrir grâce à ma directrice. Merci Sab. Du coup, vous allez voir pourquoi je vous emmène dans cet univers boisé, dans cet univers calme. Donc, je suis dans le nord de Montréal à Rodden et je suis encore allée faire de l'acrobranche avec mes amis puisque c'était un jour férié, le lundi de Pâques. Nous en avons profité, vous voyez, il fait super beau. Du coup, je vais vous parler de la marque Odess. Je ne sais pas si vous connaissez, moi je n'en avais jamais entendu parler. Ce sont des parfums solides et très très belle découverte. En tout cas, pour un temps comme aujourd'hui, pour une activité sportive. Je ne sais pas si vous avez vu mon dernier vlog, vous pouvez aller le voir là. Je vous demandais si vous parfumiez lors de vos activités sportives. Et en fait, je me dis que ce parfum solide, en fait, c'est génial. C'est génial et vous allez voir pourquoi. On y va? 1, 2, 3. Pourquoi c'est génial? Et j'ai repris le slogan de la marque. Vous aurez en description le site, vous pourrez aller voir plus en détail parce que la vidéo n'est pas un lieu de description massive, n'est-ce pas? J'aime bien que vous soyez des petits nez curieux. J'emploie la formule de Manon. Donc dans leur slogan, c'est facile à transporter, ça c'est sûr et certain. Facile à appliquer, effectivement, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de spray. Vous allez voir avec quelle matière ils utilisent pour créer leur parfum solide. Facile à vouloir, parce qu'effectivement, il y en a plein. Et très difficile à oublier. Parce que les senteurs sont géniales. Donc voilà la marque Odess. Donc, et de 1, et de 2, et de 3. Donc je vais vous en parler. Je suis obligée de prendre mon cahier parce que j'ai pas eu le temps vraiment de faire toutes les recherches approfondies. Habituellement, je suis plus minutieuse pour vous, mais aujourd'hui j'avais vraiment envie de faire ça au feeling, donc je suis allée sur leur site ce matin, j'ai relevé 2-3 informations importantes pour vous, et puis par la suite, si vous aimez ça, vous êtes convaincu par cette vidéo, vous allez dans le lien en bas et vous irez sur leur site internet. C'est une collection de 6 parfums, donc parfums solides, je vous l'ai dit tout à l'heure, mêlant le sucré, mêlant le fumé, mêlant l'épicé. Moi j'en ai 3 à vous proposer, les 3 autres malheureusement je ne les ai pas, mais c'est sûr qu'ils doivent être exquis aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des produits made in Australie. Du coup, les plantes que vous allez retrouver à l'intérieur, il y a des plantes australiennes locales. Donc, je trouve l'idée vraiment sympa. Vous allez retrouver la feuille de violette, le pamplemousse, le poivre rose dans certains parfums solides. Et effectivement, c'est cultivé en Australie. Pour les 6 parfums solides, moi, j'ai l'honneur et la joie d'avoir Violette Bloom. Donc, comment ça se passe? Les échantillons sont comme ça. Mais vous allez voir sur le site, il y a des formes comme des boîtiers à bijoux blancs. En tout cas, c'est magnifique. Violette Bloom, c'est violette, fraise, musk, grapefruit, les petits berries, le bois de santal et la rose. Et je vous jure, celui-ci, là, il est superbe, superbe. Il faut aimer la violette, ça on s'entend. Ensuite, j'ai eu la joie de découvrir Rosehood. Donc Rosehood, le packaging est rose très très clair. Donc mandarine, la fraise, le jasmin, la rose, l'ambre, le bois, la mousse de chêne, le vétiver, le bois de santal et le patchouli. Lorsque ma directrice Sabrina m'a offert ces parfums solides, bien entendu, hein, vous savez, je suis une dingue de parfums. Donc la première chose, j'ai touché, j'ai appliqué. Celui-ci, les amis, là, si vous êtes comme moi, une inconditionnelle de Miss Dior chérie, je répète bien, Miss Dior chérie, celui qui a été discontinué, Rose Wood de chez Odess, ça sent le Miss Dior chérie. Et Cassandra, ma collègue
qui est une passionnée de parfum aussi, peut mettre un commentaire en bas et dire que oui, j'ai raison, c'est vraiment Miss Dior chérie. Du coup, je prends un malin plaisir à m'appliquer ce parfum solide depuis vendredi que je les ai reçus avec le Rose Oud. Et puis aujourd'hui, comme j'allais faire Arbrasca, et donc arbre en arbre ou acrobranche en France, Forest Floor. Donc celui-ci, le packaging est vert. Vous avez de la poire, du melon, du jasmin, magnolia, du lilas, de la pêche et de la tubéreuse. Mais en fait, quand on le sent comme ça, c'est très drôle hein, parce que vu que c'est sur une base de cire, et je vais vous l'expliquer après, au départ, je ne l'aimais pas. Je me suis dit, ah, celui-ci, je le vois plus en parfum d'ambiance. Mais je ne l'avais pas essayé puisque mon coup de cœur est vraiment sur Rose Wood. Je ne l'avais pas essayé sur le poignet. Mais aujourd'hui, vu le cadre, je me suis dit, ben, c'est le moment. Et en fait, j'adore. Franchement, là, c'est même pas explicable. Parce que ça ne sent pas le bois. La tubéreuse est présente, mais vu qu'il y a des fruits, c'est une tubéreuse qu'on n'a pas l'habitude de sentir, qui s'entremêle avec le jasmin, qui est hyper lumineux. Donc, Forest Floor n'a rien à voir avec le bois. Pour conclure, ça n'a rien à voir avec le bois, mais de très, très beaux parfums solides. Donc, Made in Australie, je vous l'ai dit en début de vidéo. Ensuite, vous avez Amber Haze, vous avez Deep Orchid et puis vous avez Champ d'hiver. Donc, il y en a 6. Les 3 autres, je vous les laisse. Je vous laisse le soin d'aller découvrir sur leur site internet pour voir les parfums qu'ils ont mis dedans. Donc, la formule de cire, parce que vous savez qu'un parfum solide, il n'y a pas d'alcool à l'intérieur, on ne le spray pas. Vous pouvez donc l'appliquer comme ceci et ensuite... On le frotte sur les poignets, on peut le frotter. Alors, ce qui est très drôle sur le site internet aussi, c'est qu'il y a marqué « ne pas lécher ». Et je trouvais ça tellement drôle parce qu'effectivement, des fois, on voit de tout hein, dans la parfumerie. Alors, vous allez voir, cette texture est super agréable. Pourquoi ? Parce que c'est une marque très engagée. Hein, vous allez le voir aussi. Je vais vous en dire 2-3 mots après. Vous avez... Donc, la cire d'abeille, le beurre de karité, l'huile de graines de jojoba et de ricin. Et ils rajoutent de la vitamine E à l'intérieur. Donc, vous savez que la vitamine E hydrate super bien. Et puis, c'est vraiment connu pour soulager donc, tout ce qui est gerçure et peau sèche. Alors, Odès, parfum solide, là, c'est un duo. C'est une base hydratante, vraiment qui prend soin de la peau. Et puis, infusé de parfum. Donc, on l'a vu avec des plantes souvent made in Australie. Pour enivrer votre journée et puis rendre belle. Parce qu'en fait, moi, je fais de l'acrobranche avec Odès, vous voyez. Et c'est vraiment génial. Franchement, vous voyez, je les ai apportés avec moi et c'est sûr que c'est plus facile pour se reparfumer. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, Odès, c'est vraiment une marque engagée. Mais quand je vous dis engagée, c'est vraiment rare qu'on voit une équipe comme celle-là. Je connais pas l'équipe, hein, mais j'ai lu sur leur site. En fait, Odès, leur engagement, c'est qu'ils veulent inverser les dommages donc environnementaux causés par l'industrie de la beauté. Et pour toutes celles et tous ceux qui me regardent, vous savez que c'est vraiment n'importe quoi des fois. Et là, je vais vous partager une tranche de vie. En 2009, je travaillais dans un grand magasin à Montréal et on avait le comptoir Chanel. On reçoit un rouge à lèvres dans un carton. Je vous jure, les amis, j'avais l'impression que c'était une télévision qu'on a reçue. Là. On ouvre le carton et on voit le petit rouge à lèvres Chanel. Ça m'avait outré. Mais quand je vous dis outré, j'étais OK. Pourquoi livrer un rouge à lèvres dans une boîte énorme comme ça? Oui, c'est du luxe, effectivement, mais peut-être qu'on pourrait mettre une plus petite boîte avec du papier bulle, ça l'aurait protégé, pareil. Donc, pour Odès, c'est vraiment cet engagement qui est vraiment primordial. Vous allez voir aussi des icônes où ils sont vraiment engagés. C'est que bon, bah, y a pas de, les parfums solides ne sont pas testés sur les animaux, donc cruelty free. La livraison est gratuite dans le monde entier. Donc free shipping worldwide. Garantie satisfaction. J'avais jamais vu ça. En fait, si vous n'êtes pas satisfait dans les 30 jours
après votre achat, en fait, de l'avoir essayé, peut-être de l'avoir dompté et que vous n'êtes toujours pas satisfait, il vous rembourse complètement au bout de 30 jours. Truc de fou. Et je vous le dis, je vous le répète, c'est encore fabriqué en Australie, donc Australian Made and Honor. On voit que c'est fait vraiment avec amour, on voit que c'est des produits de qualité. La cible de clientèle, ben, c'est peut-être tout le monde, hein, parce qu'un parfum solide, ça s'entremêle vraiment avec la peau. Vous avez vu les ingrédients qu'ils utilisent. Les parfums sont des huiles essentielles, je ne l'ai pas dit, mais ça paraît logique dans le concept. En tout cas, moi, je suis vraiment tombée en amour avec cette marque. Je remercie encore une fois ma directrice de me l'avoir fait découvrir parce que oui, je ne travaille plus dans le domaine, mais le parfum fait partie de ma vie. Le parfum, j'en parle tous les jours. Je lis, j'écoute des amis sur YouTube tous les jours. Et c'est vrai que ben, c'est ce que j'ai marqué aujourd'hui sur mon Instagram, qu'en fait, le parfum est l'accessoire invisible, mais inoubliable. Je vous souhaite une excellente semaine parfumée. Donc, si vous avez aimé ma vidéo, si vous avez aimé Odesse, ouh, il y a du vent, ben, on met le pouce bleu, on met un commentaire en dessous. On peut commander aussi chez Odesse, quoi, je veux dire, c'est vraiment garanti 100% Clarisse Monroe. Je vous embrasse. Je vous dis à la semaine prochaine, sûrement pour un vlog, je ne sais pas où, mais en tout cas, j'espère que vous appréciez de voyager un petit peu donc, au Canada, vous voyez. Ça, c'est les bûches de bois, là, vous avez tout le terrain. Et de l'autre côté, vous voyez, il y a un peu de tyrolienne, vous voyez des gens qui passent. Donc, extraordinaire. Arbraska Rodden. Bye bye les amis, merci.